Bonjour. J'ai constaté qu'un certain nombre de personnes confondaient sans S-A-N-S la préposition placée devant un groupe nominal et sans S-A-N dans une locution placée immédiatement avant un verbe. Nous allons expliquer comment faire la différence afin de l'orthographier correctement. Je sors me promener sans mon parapluie. Dans cette phrase, sans fait partie du groupe nominal mon parapluie. Sans est une préposition. Nous pouvons la remplacer par avec, qui est une autre préposition. Je sors me promener avec mon parapluie. Dans ce cas, on écrit sans, S-A-N-S. Il pleut depuis quelques minutes. Il s'en est aperçu. Dans cette phrase, sans est placé devant le verbe apercevoir. Nous pouvons remplacer il s'en est aperçu par je m'en suis aperçu ou par tu t'en es aperçu. Dans ce cas, sans s'écrit S'N. En résumé, sans s'écrit S-A-N-S lorsqu'il accompagne un nom et qu'il peut être remplacé par avec. Sans s'écrit S-A-N lorsqu'il est placé devant un verbe et qu'il peut être remplacé par m'en ou par tant. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche situé à droite du pavé abonné. Vous serez ainsi averti lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo.